Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está allá en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Báilame muy dentro de mi corazón. Enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor. Que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ne pleure surtout pas, champion, ne t'inquiète pas. Je vais t'emmener loin d'ici. Où crois-tu aller avec mon fils? Qu'est-ce que tu fais là, Miguel? Oh, Arturo, c'est horrible. Barbarita m'avait dit de ne pas me séparer du bébé. Maintenant, voilà que l'enfant n'est pas là. Rosanne, Barbara, s'il te plaît, pourvu que cet homme l'ait pas emmené. Où est mon enfant? Aide-moi à le retrouver. Qu'est-ce Madame Trinidad, nous devons garder notre calme. Rappelez-vous qu'on devait emmener l'enfant faire quelques examens médicaux. Et qui sait, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas dans la nurserie. Oui, oui, ah, sûrement. S'il vous plaît. Mademoiselle, s'il vous plaît. L'enfant Aristigueta Blanco, lui a-t-on déjà fait les examens? Où est-ce qu'il est maintenant? Comme vous l'avez entendu, l'enfant Aristigueta Blanco n'est plus dans la nurserie. Il n'est pas là. Un moment. Mais mademoiselle, s'il vous plaît, cherchez-le, je vous en prie, cherchez-le. Oui, je vais le chercher, Écoutez, madame Trinidad, je vais chercher le chef de la nurserie qui peut-être pourra nous expliquer où il est. Oui, ça va. Oh, mon Dieu. Trinidad, que s'est-il passé? Le fils de Barbarita a disparu. Quoi? Oh non! Mais on n'a rien vu du tout. Tu ne mèneras pas mon fils, Rodolfo. Tu t'es échappé de prison pour venir faire le carnaval? En quoi t'es déguisé? En manucure? Cet enfant est à moi, Rodolfo. Cet enfant est et à moi. Et comment tu peux savoir que c'est ton fils, hein? Quel genre de fou furieux es-tu? Tu n'as donc pas de limite? Jusqu'où veux-tu nous faire du mal à Barbarita et à moi? C'est mon fils, rends-le-moi! Je ne fais de mal à personne, Miguel. Cet enfant est le mien et je suis dans mon droit. Alors pas question de te le donner. On a failli la perdre. La jeune fille est forte, non? Malgré l'hémorragie, elle a bien réagi. Elle est stable. Il n'y a plus d'arythmie. Bon, je vais ordonner qu'on lui fasse une autre transfusion. Oui, c'est plus sage. Elle a perdu trop de sang et son état est malgré tout critique. Ce n'était pas suffisant de nous faire condamner Barbarita et moi. Maintenant, tu veux m'enlever mon fils, hein? Je fais exactement ce que vous avez fait avec le mien. En plus, cet enfant est mon fils et je ne te le donnerai pas, Miguel. Alors calme-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Rodolfo? Tu as fini par devenir fou, je ne te soutiendrai pas une fois de plus. Donne-moi mon fils, rends-le-moi, rends-le-moi. Il n'en est pas question et je te suggère de te calmer, parce que ceci est une clinique et dans une clinique, on aime l'ordre et le calme. Alors t'as intérêt à rester tranquille si tu ne veux pas être démasqué. Tu n'as jamais eu le courage suffisant pour faire face, Rodolfo, tu n'es qu'un dégonflé. Et maintenant tu es si lâche que tu te caches derrière un bébé. Donne-moi mon bébé, monsieur l'agent, donne-moi. Monsieur l'agent, vous tombez bien, venez par ici s'il vous plaît. Venez, venez, dépêchez-vous. Vous voyez cet homme là, monsieur l'agent? Eh bien, cet homme, en fait, c'est un prisonnier en cavale. Tu es le plus beau bébé du monde, ma petite puce. Tu es parfaite. Nous sommes si heureux, ton père et moi. C'est une fille comme je voulais, une vraie princesse. Samir, ma mère va me déshériter. Je n'ai pas d'héritier.
Comment ça, tu n'as pas d'héritier? Tu n'es qu'un triple idiot, mère et père. Va-t'en d'ici tout de suite, tu peux le garder. Estella, Estella, calme-toi, voyons. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Macho, pauvre idiot, va-t'en, tu es en train de renier ta propre fille. Non, Estella, je ne la renie pas. Estella, je n'ai pas dit ça, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es folle. Va-t'en d'ici, tu ne nous aimes pas. Va-t'en, il ne me touche pas, tu m'entends? Va-t'en, va-t'en tout Estella, de suite, tu ne nous aimes Estella. Pas, tu ne nous aimes pas. Non, docteur, écoutez, l'enfant ne peut pas être avec sa mère parce que je trouve que ma fille est dans un état très grave et on le perd en ce moment même. Oui, ma belle-sœur a raison. Si on opère la jeune fille et que l'enfant n'est examiné par aucun médecin, alors où est-il? Avec qui? Allons, mesdames, veuillez vous calmer, je vous prie. On va attendre le retour de Carmen, l'autre infirmière, qui pourra peut-être nous donner plus d'informations. Mais il faut que vous restiez tranquille. Non, mais si... Écoutez, docteur, ne demandez pas à la famille de se tranquilliser. Parce que c'est une affaire très délicate que l'enfant ne soit pas dans la nurserie avec sa mère et avec sa grand-mère. Alors ne perdez plus de temps et donnez l'alerte. Et je ne me calme pas, je ne me calme pas, je n'ai pas envie de me calmer. Parce que nous ne parlons pas d'une paire de chaussures, docteur. On ne parle pas de ça, mais d'un enfant. Un bébé qui ne peut pas bouger par lui-même. Sinon avec les deux jambes bien grandes qui l'ont emmené. Et ce sont celles de Rodolfo Arestigueta. Je ne me calmerai pas. Non, écoute, écoute. Arturo, on va faire quelque chose. On va devoir le chercher nous-mêmes parce écoute, que... ces gens-là ne comprennent pas, on perd du temps ici. C'est ici oui. qu'il faut chercher. Il faut appeler la sécurité, appeler la police. Il faut trouver un détective privé. Je ne sais pas, moi, mais il faut faire quelque chose. Ma petite Carmen, il y a du nouveau? Vous savez qui aurait pu emmener l'enfant Arestigueta Blanco? Rodolfo Arestigueta... Alors voilà, remuez-vous alors. Parce qu'entre-temps, Rodolfo a le temps de filer. Alors je vous demande d'y aller, on y va bon sang. Alors allons-y, on se remue. C'est horrible, Rodolfo Arestigueta l'emmènera mon petit-fils nulle part. Parce que je vais le retrouver. Je vais avec toi, maman. Oui, moi aussi, je viens. Alors ne restez pas ainsi. Allez, donnez l'alerte. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce monsieur qui veut enlever mon fils. Cet enfant... Et mon bébé, et ce monsieur veut le voler. Ce monsieur est un repris de justice qui essaie de kidnapper mon fils. Je vous le laisse. Vous êtes médecin? Ça n'a pas d'importance. Maintenant, ce qui compte, c'est que c'est mon enfant et que ce monsieur veut l'emmener. Un petit moment, car je ne comprends rien. Très bien, je vais vous expliquer. Cet homme n'est évidemment pas médecin. C'est un des prisonniers qui s'est enfui de la prison centrale. Vous n'avez pas été informé? Vous n'avez pas vu les photos des fugitifs? Eh bien, c'est lui, c'est l'un d'eux. À terre, à genoux et avec les mains sur la nuque. Ah, docteur, ma fille va bien? Oui, tout s'est parfaitement passé. Elle va très bien et le bébé est magnifique. Ça veut dire que c'est une fille, non? Oui, oui, une belle et saine fille. Ah, oh, Emma, félicitations! Quelle émotion! Ah, oui. Docteur, je voulais savoir la couleur... Pardon? Je m'explique. La couleur de la fille, elle est blanche? Docteur, docteur! Oui, dites-moi. Mon petit-fils a disparu de la nurserie, docteur! Comment? Trinidad, que vous arrive-t-il? Mon petit-fils n'est plus dans la nurserie! Oui, on a emmené l'enfant de Barbarita de la nurserie. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean, quoi, notre petit-fils, il a disparu! On l'a emmené de la nurserie, il n'y est pas, il a disparu, Jean! Oui, on nous a volé l'enfant. Un moment, monsieur, vous n'allez pas sortir votre arme, parce qu'un coup peut partir et il y a mon fils, au contraire, monsieur l'agent, sortez votre arme, ce type est dangereux. Sortez votre arme. Non, d'accord, mais restez calme. Un moment, monsieur, vous êtes en train d'arrêter la mauvaise personne. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi cet enfant est hors de la nurserie? Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ce couloir avec ce bébé? Je suis Rodolfo Arestigueta, le père de cet enfant, et je le protège précisément de cet individu. Monsieur l'agent, vous ne reconnaissez pas cet homme? Bien sûr que oui. Ramirez. C'est bien lui. Parfait. Cours, mon vieux, cours. C'est comme ça que je voulais te voir, fuyant comme un assassin. Et toi, champion, tu restes avec ton père. Bon, et alors, mon Dieu, que se passe-t-il? Pourquoi ne sortent-ils pas? Viviana, mon amour! Comment ça va? Comment tu te sens? Bien. Comment va ma princesse? Viviana? Mais bon sang, qu'est-ce que c'est, Viviana et Raimundo ici avec des bébés? Oh
Oh mon Dieu! Il va emmener mon fils et je ne pourrai rien faire! La police me cherche déjà dans toute la clinique! Docteur? Que se passe-t-il? Vous voulez que j'appelle les infirmières? Non, mon ami, c'est bon, ce n'est pas nécessaire. Je suis avec toi. Je te suis dans ma voiture, ok? Mais ne sois pas nerveuse, détends-toi. Mais je suis tranquille. Sûre? Certaine. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que je suis comme ça parce que j'ai jamais été papa. Et mes jumeaux? Oh, mes jumeaux. Attention avec mes jumeaux, d'accord? Attention. Viviana? Tu as eu des enfants avec Raimundo? Alors, mon frère, vous descendez ou non? Oui, monsieur, pardon. Laissez-moi un peu plus loin. La personne que je cherche est ici, dans cette prison, et... C'est ma sœur. Monsieur Ducalme, ce n'est pas nécessaire d'appeler quelqu'un, ne vous inquiétez pas. Mais c'est que vous n'avez pas l'air bien, docteur. Je vais plutôt appeler l'infirmière. Non, tranquille, je vais très bien. Ce qu'il y a, c'est que... c'est que parfois, je parle seul. Vous n'êtes pas de cet étage, pas vrai, docteur? Vous avez tout à fait raison, je suis de la cardiologie. Ah, grâce à Dieu, on m'a enfin envoyé le cardiologue. Docteur, écoutez, je me suis senti très mal, j'ai des palpitations, docteur, aidez-moi, d'accord? Mon ami, comprenez-moi, il se trouve que vous n'êtes pas mon patient, je ne suis pas de cet étage, et je me suis trompé d'étage et de chambre, mais je vais immédiatement vous appeler un médecin. Non, s'il vous plaît, docteur, ne partez pas, aidez-moi! Ne me laissez pas mourir, docteur, aidez-moi, d'accord, aidez-moi! Non, du calme, mon ami, du calme, vous n'allez pas mourir. Écoutez, je vais tout de suite vous appeler un véritable médecin. Je veux que vous compreniez, il se trouve que je ne suis pas médecin. Je suis un pauvre homme qui a besoin de sauver la vie. La vie de sa femme et la vie de son fils. Ma sœur, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je vous jure que je verrai ma sœur un petit moment, simplement, et après je m'en vais. N'insistez pas, jeune homme, je ne peux rien faire. Aujourd'hui n'est ni le jour, ni l'horaire des visites. Mais ma sœur, j'ai été longtemps en dehors du pays. Je viens de descendre d'un avion et je suis venu en courant jusqu'ici. Dans cette enceinte, il y a des règles à suivre. Ma sœur, écoutez-moi, faites une exception. Une exception, rien de plus. Ma sœur est sur le point d'accoucher et c'est peut-être déjà fait. Ah, vous cherchez en fait Barbarita Blanco. Barbarita Blanco, c'est elle, c'est ma sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a déjà accouché, dites-moi. L'interne Blanco a en effet déjà accouché. Mais elle a été transférée d'urgence dans une clinique. Dans une clinique? Mais pourquoi? Eh bien, sa grossesse était très risquée. Le médecin n'a pas pu s'occuper d'elle normalement et ça s'est compliqué. En vérité, son état était très délicat. Ma sœur, s'il vous plaît, dites-moi où est cette clinique. J'ai besoin d'aller la voir maintenant. Il s'agit de ma sœur. Mon ami, je suis un homme désespéré qui est capable de tout pour sauver mon fils. Mais votre fils est malade, docteur, qu'est-ce qu'il a? Non, mon fils n'est pas malade. Celui qui est malade, c'est mon frère Rodolfo qui veut m'enlever la femme que j'aime et mon fils à peine né. Et moi qui pensais que je n'étais pas bien dans la vie, docteur. Mais maintenant, je me rends compte que c'est encore pire pour vous, vous savez. Eh bien, mon ami. Vous êtes un homme bon, docteur. C'est pour ça que vous souffrez tellement, mais ne vous inquiétez pas. Car Dieu aide l'homme bon. Et si vous restez ainsi... Il vous aidera également. Je ferai comme ça, mon ami. Et je vais vous envoyer un bon cardiologue. Merci beaucoup. Tout va bien par ici, monsieur? Oui, merci beaucoup. Fermez la porte en sortant, s'il vous plaît. Car l'air froid me fait du mal. Merci. Aide-toi et le ciel t'aidera. Toi, mieux que personne, sais à quel point j'aime mes enfants. Mais comprends-moi, je ne peux pas aimer cette créature. Je ne peux pas parce que cet enfant est venu du ventre de cette femme. Et cette femme nous a à tous pourri l'existence. Alors cet enfant, cette créature, ne peut pas être mon petit-fils. Est-ce que tu as compris? Eh bien, s'il l'est, Emma. Et si tu ne veux pas m'aider, je ferai ce que je dois faire. Mais je ne permettrai pas que cette innocente créature tombe entre les mains de Rodolfo. Et en plus... Je ne comprends pas, Isadora. Quel motif, quelle raison aurait Rodolfo de vouloir voler cet enfant? C'est complètement absurde. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, Emma, par vengeance? En plus, il te l'a dit lui-même. Non seulement il va faire du mal à Barbarita, mais il va également faire du mal à Miguel. Crois-moi, Emma, au nom de tes autres enfants. Et excuse-moi, je sais que Rodolfo est aussi ton fils, mais il est malade, c'est vrai, capable de n'importe quoi. Alors, rien? Hein?
Toujours rien? On ne sait rien du bébé? Non, rien. Chère famille, permettez-moi de vous présenter mon rejeton. Regardez-moi cette merveille. Il est pas beau ce petit bout de chou, regardez. Je ne vois même plus l'ambulance. Ça peut pas m'arriver. Maintenant, Viviana va arriver toute seule à la clinique. Bon, messieurs, secouez-vous, s'il vous plaît! Quelle malchance. Et en plus, je viens de me mettre dans cette file. Allez, bougez-vous, bougez-vous! Bougez-vous! Ce rein, il me gêne de plus en plus souvent. Il devient très douloureux. Ah, mon Dieu, ça fait mal. Aïe, mon Dieu. Pourvu que ce ne soit pas ce à quoi je pense. Non. Non. Oh, mes bébés. J'ai tant rêvé de vous. Oui, oui. Et maintenant, vous êtes ici. Si, ma belle princesse. Ouais. Tu sais, quand j'étais petite, je rêvais toujours d'être une reine et d'avoir une petite princesse comme toi, comme ça, et lui faire les yeux doux. Oui. Ah, viens. Voilà. Ne te réveille pas. Ne te réveille pas, hein, d'accord? Ouais. Triste ici, hein, bébé. Ouais. Parce qu'il n'y a ni château, ni prince charmant, ni amour. Et toi, Santiago, tu es ici pour me rappeler tous les jours que je ne peux pas vous inventer une famille, ni un père qui n'est pas le vôtre. Parce que tu es le portrait vivant de mon unique amour, de Climaco. Allô? Viviana? C'est toi, Viviana? Merci, Eduardo. Merci vraiment de m'aider avec ma valise. Tu es si aimable. Et pourquoi as-tu monté cette valise? Comment? Pourquoi je l'ai montée? Eh bien, tu n'es pas supposé être avec Climaco. Je crois que tu vas devoir la redescendre. Écoute, Eduardo, en réalité, t'es en train d'insinuer que je devrais m'en aller de cette maison? Non, Jessica. Moi insinuant? Non. Non, non. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu ne dois plus venir dans mon appartement, ni toi, ni ce Climaco-là. Climaco, je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. Eh ben, moi aussi, je suis surpris. J'ai demandé qu'on me passe la dame qui venait d'accoucher et je sais pas, ils m'ont passé ton poste. Ah, ça doit être parce que Barbarita est ici comme ses enfants. Son enfant est un Aristigueta Blanco et les miens... Les tiens aussi sont des Aristigueta, non? Oui. Aussi, c'est pour ça qu'ils ont dû se tromper et basculer la ligne ici. Au fait, tu as dit les miens. Eh bien, Viviana, ils sont combien? Ce sont des jumeaux? Oui. Oui, c'est une fille et un garçon. Et toi? Et toi, tu es où? À Miami, c'est ça? Non, Viviana. Je suis ici, au Venezuela. Ici? Oui. Je suis venu prendre des nouvelles de ma sœur et faire connaissance de mon neveu. Vu que je n'ai pas eu la chance d'avoir des enfants. Mais je vois que toi, t'as pas perdu de temps, hein? Eh bien, la célébrité a son prix. J'imagine que pour Jessica, ce n'est pas le moment d'avoir des enfants maintenant. Non, Viviana, c'est pas opportun. Mais bon, la vie réserve tant de surprises. Écoute, Viviana, je me réjouis vraiment beaucoup pour toi et félicitations à toi et à Raimundo, bien sûr. Adieu. Climaco, attends. Climaco. Oh. C'était lui, bébé. Votre père. Ah, c'est bien, Climaco.
8 mois, tu te tortillais les mains pour ne pas appeler Viviana, tu te retiens et puis... À peine arrivée, la première chose qui surgit, c'est elle. Allô? Mademoiselle, écoutez, c'est encore moi. J'ai besoin que vous me mettiez en contact avec la chambre de la maman du nouveau-né Aristigueta. Pas avec Madame Aristigueta. Ma sœur s'appelle Barbarita Blanco Guaramato, ce n'est pas Madame Aristigueta. S'il vous plaît, ne confondez pas de nouveau, d'accord? Merci, j'attends. Oh, mon vieux Kimako. Arrête tes histoires. Quoi, tu vas prétendre que cette erreur ne t'a pas fait plaisir? Tu as écouté sa voix si proche. Voilà la vérité. Kimako, Viviana... Viviana est et sera toujours ton seul amour. Dans quel état es-tu, Barbarita Blanco? Bon, écoute, Jessica, je ne vais pas attendre toute la journée que tu sortes de ma maison et de ma vie. Eduardo, je ne m'attendais pas à ce coup de ta part, tu sais. Et qu'est-ce que moi j'ai reçu de toi? Eduardo, je pouvais pas imaginer que t'étais amoureux de moi, alors... Je t'ai toujours regardé comme un frère, rien de plus. Ouais. Mais écoute-moi, ce n'est pas pareil, tu le sais maintenant. Je suis amoureux de toi depuis que je te connais. J'ai accepté tous tes petits amis et je suis toujours resté ainsi, avec les bras ouverts, en attendant que toi, tu t'amènes. Mais Eduardo, qu'est-ce que tu veux? Mais maintenant, toi, tu le sais. Et en réalité, je préfère que tu partes. Eduardo, s'il te plaît, pas toi. Tu vas pas me laisser seule, je t'en supplie. Jessica, si tu m'avais donné tout ce que tu as donné à ces imbéciles, tu serais la femme la plus heureuse. Barbarita Blanco. Qui l'aurait cru? La femme qui a rendu fou cet animal d'Aristigueta. Celle qui a défendu comme une tigresse l'enfant d'Isabelle. Vous savez quoi? Je vous en remercie. Je suis Yon Jairo, le mari de Moraima. Et en son nom, je veux que vous sachiez que je vous en suis reconnaissant. Et je vais vous dire... Nous ne permettrons pas que quelque chose vous arrive. Ne le refais pas, Eduardo! Ne gâche pas cette si belle relation qu'il y a entre nous deux! Mais quelle relation? Bien, une relation entre de très bons amis, de frères et sœurs, je sais pas moi! Mais je t'interdis, Eduardo, de m'embrasser à nouveau, je te l'interdis! Tu sais, j'ai pensé que... Enfin, je ne sais pas, c'est-à-dire que j'allais y arriver, est-ce que tu vois? Et c'est la colère qui m'envahit en pensant que je me comporte comme un adolescent à cette étape de ma vie pour un amour... Qu'il est inutile d'avouer. Vous n'auriez pas dû sortir l'enfant de la nurserie. Vous n'auriez même pas dû entrer ici. D'accord, mais ne vous en prenez pas à moi, docteur. C'est la faute de cette Carmen, cette infirmière qui s'appelle Carmen et qui m'a dit d'entrer, qu'il n'y avait pas de problème. J'avais même emmené certaines affaires, juste au cas où, vous savez, enfin, pour des questions d'hygiène. J'étais préparé. Je ne suis pas un irresponsable, docteur. Enfin, monsieur, pourquoi m'avez-vous fait ça? Carmen, vous êtes renvoyée. Non, ne la renvoyez pas, il n'y a vraiment aucune raison de faire ça, voyons. Enfin, docteur, je vais en assumer la responsabilité. C'était de ma faute, voilà. J'ai convaincu Carmen parce que je lui ai dit que j'étais un peu angoissé, parce que c'est la première fois que je deviens père, mais en réalité, c'était parce que... En fait, je voulais protéger la vie de mon fils, docteur, parce que je ne sais pas si vous savez que dans cette clinique si respectable se cache un prisonnier en fuite. Mademoiselle, signalez que le patient de la chambre du fond a un besoin urgent d'un cardiologue. Et j'espère ne pas avoir à le répéter à nouveau. Oui, docteur.
Quelle est la chambre de Barbarita? C'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. C'est celle-là. C'est la chambre de Barbarita. C'est le même policier. Yon Jairo. Viens. Oh non, toi. Tu es la mère la plus belle du monde. Écoutez, je comprends que tout ça soit un peu déconcertant pour vous, mais dans cette clinique se cache un individu dangereux, un prisonnier en cavale. Vous le saviez ou vous ne le saviez pas? Eh bien, c'est une affaire qui concerne le service de sécurité, mais ce qui est sûr, c'est que la responsabilité des infirmières est d'empêcher toute personne étrangère d'entrer dans la nurserie. Et c'est ma responsabilité à moi de veiller à la sécurité de mon fils, non? Oui, oui. Bon, écoutez-moi, mademoiselle, je vous serai reconnaissante de monter à l'administration, car ce qui s'est passé ici est grave. Voyons, docteur, ne soyez pas trop sévère. Détendez-vous, s'il vous plaît. Ce qui s'est passé, ce n'est pas la faute de cette jeune fille. Il se trouve que mon épouse, enfin mon ex-épouse, a accouché en prison et il y a eu des complications et on l'a emmenée ici. Et moi j'étais très, très inquiet. Bon, j'avais peur que mon frère, son complice, vienne ici pour l'emmener, elle et mon enfant. Je comprends que cette histoire vous paraisse invraisemblable, mais je vous jure, je vous dis la vérité. J'en appelle à vos sentiments, je... Ah, le voilà, c'était non, il plus que ça. Il a emmené mon... Calmez-vous, madame Trinidad. Personne ne peut être tranquille tant que tu seras ici. Où est mon petit-fils? Écoutez, madame, votre petit-fils est ici, sain et sauf. Alors calmez-vous. Je veux savoir qui l'a autorisé, docteur. Qui l'a autorisé à le prendre? Tu es en train de te créer de sérieux problèmes. Il va y avoir une plainte contre toi. Et cette fois pour un véritable enlèvement, Rodolfo Aristigueta. Docteur, s'il vous plaît, ne laissez pas ce malade s'approcher de mon petit-fils à aucun moment. Ne le laissez pas poser la main dessus, s'il vous plaît. Barbarita, mon amour. Ces journées ont été les plus terribles de ma vie. Savoir que tu étais enceinte et ne pas pouvoir t'aider, ne pas pouvoir veiller sur toi. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, car Rodolfo ne s'en tirera pas. Je vais m'occuper de toi, amour de ma vie. Je vais aller chercher notre bébé. Et nous pourrons nous sauver d'ici, tous les trois. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais quoi? Ne promets pas ce que tu peux pas réaliser. La police surveille tout le coin et ils nous recherchent avec des photos et tout et tout. Yonjao, tu m'as accompagné jusqu'ici et je te remercie, mais je vais faire ce que j'ai à faire. Est-ce que tu te rends compte? Vous allez droit au suicide. On va vous attraper et vous en prendrez pour 5 ans, c'est de la folie. Mon fils est l'unique liberté dont j'ai besoin en ce moment. Qu'il m'enferme donc pour toute la vie. Barbarita. Barbarita, mon amour, c'est moi. Mon bébé. Mon bébé. Je veux voir mon bébé. Docteur, d'accord, j'ai compris. Je sais que je ne peux pas pénétrer à l'intérieur. Mais je ne bougerai pas d'ici, de cette porte, afin que cette énergumène ne touche pas à mon petit-fils. Et voilà, docteur. Alors là, je ne sais pas comment vous allez faire pour protéger mon enfant de ce genre de personnes. Ça ne va pas être simple. Tu n'es pas en situation d'insulter qui que ce soit. Je n'insulte personne. Parce que je vais t'arracher la tête d'une seule main, moi, tu vas voir. Allez, calmez-vous. Vous jouez, docteur. Vous êtes seul responsable de la sécurité de mon fils. Bien, tu n'as plus qu'à partir. Allez, va-t'en. Écoutez, vous n'êtes pas là pour me rappeler mes devoirs. Est-ce que c'est compris? Et vous, madame, si vous voulez rester ici, faites comme bon vous semble. Mais je vous interdis d'entrer dans la nurserie. Oui, je sais. Mais je resterai ici devant cette porte jusqu'à ce que cet homme parte de la clinique. Monsieur, veuillez quitter les lieux, s'il vous plaît. Oui, je vais vous obéir. Je suis coopératif et je vais m'en aller. Je m'en vais sans faire d'histoire. Vous le voyez tous. Mais allez, au revoir. Qui se prend, cette espèce de fumeur, là? Qu'avez-vous là, monsieur Aristigueta? Que vous arrive-t-il? Non, c'est rien.
Ni toi, ni ma mère n'aimait mon bébé. Mais enfin, Stella, comment peux-tu dire une telle chose? Je n'ai jamais dit ça. Je sais plus quoi croire. Ma chérie, où est ma petite fille? Bon alors, où est l'enfant? Elle a quelque chose? Ou alors ressemble-t-elle vraiment à ce point à son papa? Qu'entendez-vous par là, madame? Ce que je veux dire? Eh bien, j'imagine qu'elle est comme vous, quoi. Tu vois, Samir, je te l'avais bien dit. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi ma fille a-t-elle choisi un type pareil? Pourquoi, mon Dieu? C'est que du théâtre, c'est un pur mensonge, c'est une farce. Laissez-moi vous examiner, monsieur Aristigueta. Apparemment, vous souffrez. En plus, vous êtes très pâle. Mais c'est ma couleur naturelle, je suis blanc. Et n'essayez pas de m'examiner, ça me rend nerveux. Alors ne me touchez pas, je vous assure, je vais très bien. Bon, la seule chose que je peux vous dire, c'est que si votre état perdure, vous devriez voir un médecin. D'accord, merci pour votre conseil, docteur. Mais maintenant, allez surveiller les enfants, d'accord? À très bientôt. Merci, allons-y, à bientôt. Peu importe ce que tu as. Car avec moi, tu ne vas pas jouer la victime. Si tu retouches l'enfant de Barbarita, je t'envoie en prison, Rodolfo. Arrête de me menacer, avocat. Tu sais ce qu'on dit de toi quand tu passes au tribunal? Tout le monde se moque en disant « Voilà le petit avocat aux cheveux longs qui n'a pas pu épargner la prison à sa cliente. Pauvre type !» Laisse tomber, Arturo. Ne discute pas avec ce monstre. Allez, je vous laisse, espèce de gros nul. Madame Trinidad, il ne faudra pas le lâcher d'une semelle, celui-là. Il ne restera pas tranquille tant qu'il n'aura pas pris l'enfant de Miguel et de Barbarita. Calmez-vous, madame. Je suis justement venu chercher le père de l'enfant pour l'emmener à la nurserie. Si, si. Non, non, mais moi plutôt. Je veux y aller, le papa n'est pas ici. Barbarita. Barbarita, c'est moi, je suis là. Miguel. Miguel, mon amour. C'est toi. Que fais-tu là? Comment as-tu fait? Barbarita. Barbarita, je me suis échappé. J'ai fui de prison pour être avec toi et avec notre enfant. Oui, je suis venu te chercher pour que nous nous échappions tous les trois. Pour que nous partions vers une nouvelle vie. Oh, ma princesse! Je suis si contente, tellement contente! Tu m'as fait grand-mère! Sans honte, si jeune! Eh oui, maman. Bon, maintenant, je voudrais que tu fasses connaissance avec mes beaux jumeaux. Là, c'est la fille. D'abord la fille et ensuite le garçon. Oh, mais c'est une beauté! Voilà, j'arrive! C'est la fille? Oui, c'est elle, maman. Voyons. Oh, mais c'est vraiment une beauté, elle est magnifique! Tu l'as vue, mon amour? Elle est comme ma princesse, on ne peut pas le nier. Oh, c'est une beauté! Viens par ici, mon petit bout, viens par ici, toi, oui. Oh, tu es belle! Non, tu peux pas pleurer, non, tu peux pas pleurer quand tu es avec ta grand-mère, la nena. La nena, mais agneau, ta grand-mère gâteau, parce que je vais te gâter à ça, oui. Plus tard, nous aurons une conversation de femme à femme, toi et moi, car il faut que je te dise. En fait, tu vois la dame qui est là-bas? Eh bien, c'est ta maman. Eh oui, mais elle est un peu éteinte, ennuyeuse, pas marrante, quoi. Alors que moi, ta grand-mère, je suis blagueuse, vivante. Maman, mon autre bébé veut aussi te connaître. Je reviens, ma Blanche-Neige. Sainte Vierge, faites que le petit ne ressemble pas à ce satané Climacon. Faites qu'il ne lui ressemble pas, s'il vous plaît. Nena, n'aie pas peur. Hein? C'est un nouveau-né, il va rien te faire, tu sais. Et ce n'est pas grave, Raimundo. Tant pis si elle ne veut pas le voir. Oh, mon Dieu, mais regardez-moi ça! Mais c'est un magnifique bébé, ça, madame! Et c'est mon petit-fils à moi, ça, que le beau! Oh! Oh! Tu seras mon petit prince, le petit prince du futur. Tu seras courageux, brave et vaillant. Oh, mon amour, tu ne peux pas te plaindre! Tu dois être heureuse, ma princesse. Il est comme Climacon. Regarde! Nena, on en a déjà parlé, tu t'en souviens? Oh, pardon, Raimundo. Mais on ne peut pas nier la vérité, mon amour. Ce petit est le portrait craché de Climaco. Comment allez-vous faire pour le tromper, lui? Maman, j'ai promis à Raimundo que...
personne ne le saurait. Nena, Viviana est mon épouse. Et eux, ce sont mes enfants. C'est clair? Eh bien, Raimondo, alors tu devras prendre beaucoup de soleil, et te faire une de ces fantastiques permanentes, mon fils, parce que la vérité, c'est que cet enfant est pareil au hérisson. Mais madame, vous ne pouvez pas encore entrer. La patiente se fait examiner en ce moment. Écoutez, n'importe comment, je vais passer. Vous entendez? Je passerai. Laissez-moi passer. Allez, poussez-vous. Écoutez, monsieur, je suis la maman de la patiente. Laissez-moi passer. Maman? Miguel, toi ici? Bien, écoute, Moraima, tu nous excuseras, mais nous sommes épuisés, ma femme et mais, moi. Mais, Rodolfo, nous ne devrions pas partir sans, sans dire au revoir à quoi? Ta mère. Et en plus, je veux, dire je veux au revoir aller à voir ma Estella, mère. Raimondo, à les petits jumeaux, connaître ta nièce. Tu comprends, Rodolfo? Non, ce sera pas possible aujourd'hui. Déjà qu'avec les nôtres, nous avons de quoi monter une maternelle. Allez, viens, on le verra un autre jour. D'accord, ça va, Rodolfo. Mais et le bébé? Qu'est-ce qu'on fait du bébé? Non, rien, on le laisse ici. Il est très bien ici. On viendra le chercher demain. Bon, allons-y maintenant. Il faut que nous partions célébrer notre mariage en privé. Étant donné que la célébration publique a été gâchée avec ces accouchements en série. Allez, mais, viens. Mais attends une allons-y. Seconde, Rodolfo. Attends. Encore. Nous devons rester un petit peu plus longtemps, vraiment. Je veux dire au revoir à ta mère. J'en ai besoin. Tu comprends, Rodolfo? Mais qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Laisse ma mère tranquille. Partons, je suis désolé, Moraima, mais nous devons partir, nous sommes vraiment épuisés. À la prochaine. Quoique toi, on te voit pratiquement tous les jours, hein, parce que t'es partout, c'est pas vrai? Allez, au revoir, je suis mort de fatigue. Mais pas fatigué au point de rater notre nuit de sueur. Allez, ma cocotte, la nuit est à nous. Oui, j'ai dit Miguel parce que... parce que, monsieur l'agent, je m'appelle Miguel, pas vrai? Ah, ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. Hein. Oui, des années sans se voir. Ma mère me parle toujours beaucoup de vous, mais bon, elle est partie vivre en Colombie parce que ici les choses étaient devenues très dures, enfin vraiment très très dures. Et c'est... Ah, c'est vrai, oui. Et oui, c'est horrible. De toute façon, ça ne lui plaisait pas ici et... au fait, Miguel, et ta sœur? Elle est déjà partie? Non, elle vit à Maracaibo, enfin, mais... Excusez-moi, monsieur l'agent, quelque chose d'autre? J'ai l'impression que cela fait un bout de temps que vous êtes dans cette chambre, non? c'est qu'en fait, je cherchais la veine de la dame et pour lui changer le cathéter, alors... ça a l'air facile, mais c'est extrêmement difficile, vous voyez? Des fois, la veine est impossible à trouver et elle se cache, et elle se cache, et elle se cache, et c'est encore plus dur quand ces femmes sortent à peine de grossesse. Oui, mais heureusement, j'ai trouvé la veine, mais maintenant, tout va bien. Ça lui a fait un peu de mal, mais tout est réglé maintenant. Bon, il faut vraiment que j'y aille. Et bonne chance. Ma chère, ce fut un véritable plaisir, un vrai plaisir. Un bisou. Oui, de même. Oui, voilà, au revoir. Monsieur l'agent, ciao. Hein. 10 minutes, pas plus, madame, entendu? Oui, d'accord. Parce que vous êtes la mère. Oui, d'accord, je sais, pas de problème. Barbarita, mon amour. Oh, maman. Oui. Miguel. Madame Trinidad. Oh, c'est bon que tu sois vivant, mon enfant, c'est bon. Ah, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es fou, mon garçon, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais... ma petite fille, maman, aussi étrange que ça puisse paraître, elle ressemble à Félicité. Quoi? Mais d'où est-ce que tu sors ça, Estella? Tu es devenue folle? On dirait vraiment que tu accuses le contre-coup de l'accouchement, parce que je ne vois vraiment pas comment. Et pourquoi tu te poses cette question, hein? D'où ça devient ça, hein? Hein, d'où? Je ne sais pas ce que tu as toujours à te mélanger avec des gens bizarres, des voyous, des chèques escrocs. Parce que si au moins le père de l'enfant avait été un prince anglais, norvégien, espagnol, mais non! Voilà que c'est un prince de je ne sais où et en plus avec un sale caractère. Maman, ne m'énerve pas! J'ai pas envie que ma cicatrice s'ouvre! Ce bébé, tu dois l'aimer tout simplement, parce que c'est ta petite fille. Je peux? Ah, manquait plus que lui. Que se passe-t-il ici? Ni ma mère, ni Samir n'aiment mon bébé, voilà! Miguel, mais c'est de la folie. Hein? Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ce policier planté là-dehors? Je ferai tout pour voir ma douce Barbarita. Et ne vous inquiétez pas, car j'ai des amis au courant de tout. Qui ça? Ce monsieur, l'infirmier. Ah,
C'est pour ça qu'il a fait semblant de connaître. Oui. Oui, c'est un ami. On peut compter sur lui. C'est tout ce que je peux vous dire. Je comprends rien. Bon, ça va. Je vais tout vous expliquer pour que vous soyez plus rassurés. Yonjairo, c'est... Enfin, Yonjairo, c'était... un compagnon de cellule. Il a fui avec moi. Oh, mon Dieu. Miguel. Oh, Miguel, et alors, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? La police est en train de te chercher. Yonjairo va s'arranger, il a ses combines. Et l'enfant? Où est l'enfant? Je veux le voir. Emmène-moi, Miguel. Mais, ma chérie... Emmène-moi. Rodolfo est capable de me le prendre. Non. L'enfant n'est pas... L'enfant n'est pas dans la nurserie pour l'instant. Écoute-moi, ma chérie, tout va bien. Tu dois rester ici pour le moment. Tu dois encore te reposer. Et pour l'enfant, ne te fais pas de soucis. Parce qu'il va bien. On lui faisait des examens. Il est déjà revenu dans la nurserie. Arturo est là. Il fait attention à ce que personne ne l'approche. Oui. Voilà, je veille sur toi. Tu entends? C'est à moi de monter la garde pour qu'il ne t'arrive rien. Mais je le fais avec beaucoup de plaisir. Parce que pour Barbarita, je ferai n'importe quoi. Et je vais te dire, je suis amoureux de ta maman. Attention, c'est un secret entre toi et moi. Ne le répète surtout pas. Un secret à voix haute, Liscano. Et Gaëtan, Miguel, parle-moi de lui. Ah, Gaëtan. Vous ne pouvez pas savoir tout ce que ce monsieur m'a appris en prison. Parce que c'est ce qu'est Gaëtan, hein, monsieur. S'il n'avait pas été là, je serais mort dans cet enfer. Et lui, comment va-t-il? Comment va mon père? Je pense qu'il va bien. Je ne crois pas qu'on l'ait embêté à cause de ma fuite parce que Gaëtan et moi, nous avons mis au point un bon plan. Nous avons faim d'être des ennemis pour que je puisse m'infiltrer dans la bande qui est derrière Rodolfo. Pourvu qu'il n'ait rien. Mais tout sera bientôt fini, je te le promets, tout. Parce que toi et moi, nous partons d'ici aujourd'hui même. Qu'est-ce que tu dis, Miguel? Oui, Madame Trinidad. Et vous devez coopérer, vous devez retarder le policier qui est dehors pour que Barbarita et moi, nous puissions nous échapper d'ici. Ah non, mon enfant, non, tu es devenu fou, complètement fou, non? Non, Madame Trinidad, la folie, ce serait de rester ici sans rien faire. En attendant de voir quel nouveau piège inventera mon frère pour nous enlever l'enfant. Non. Nous devons tout de suite partir d'ici, avec notre enfant. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor.